Ah. C'était chaud. Fuis devant ma puissance. Ah ouais, là c'est eux qui ont les tours, allez, c'est pas la même. Déjà niveau 7. T'as ça rapport de péter des tours. Alors, sniper, non, j'utilise pas. Pistolet, j'utilise pas. Là. Ah oui, ça a quand même beaucoup changé depuis notre dernier passage. Il y a du monde qui vient. Tu crois que ton bouclier va te protéger? J'ai mémé ou quoi?
Je craignais que vous n'arriviez pas à temps, Shepard. Attends, pourquoi? Mais pour la confrontation finale, voyons. Vous deviez vous y attendre quand même. Vous êtes consciente d'avoir perdu, n'est-ce pas? Dans quelques minutes, Sovereign aura le contrôle total des systèmes de la citadelle. Les relais s'ouvriront, les moissonneurs seront de retour. Que dalle! J'ai encore quelques tours dans mon sac. Vous avez survécu à notre rencontre sur Vermir. Mais j'ai changé depuis, je suis plus fort. Sovereign m'a perfectionné. Ouais, il t'a lobotomisé, ouais. Vous avez laissé Sovereign vous modifier? C'est de la folie! Je crois que je vous dois des remerciements, Shepard. Après Vermir, je n'ai pas arrêté de penser à ce que vous avez dit à propos de Sovereign et de l'endoctrinement. Le doute a commencé à m'envahir. Sovereign a senti mon hésitation et il m'a conféré des implants pour renforcer ma détermination. Maintenant, mes doutes se sont dissipés. J'ai une foi totale en Sovereign. Je comprends que les moissonneurs ont besoin d'êtres de chair. Rejoignez-nous et Sovereign vous trouvera une utilité. Sovereign vous contrôle par vos implants. Vous êtes aveugle. C'est une relation symbiotique. Un mélange d'organique et de mécanique. L'union de la chair et du métal. Le pouvoir des deux sans les faiblesses. Je suis l'incarnation du futur, Shepard. L'évolution de toute vie organique. Tel est notre destin. Rejoignez Sovereign et acceptez cette renaissance. Que dalle. Sovereign n'a pas encore gagné. Je peux l'empêcher de prendre le contrôle de la station. Laissez-moi faire et l'invasion n'aura pas lieu. On ne peut pas l'arrêter. Pas indéfiniment. Vous l'avez vu dans vos visions. Vous savez ce qui est arrivé aux Protéens. Les moissonneurs sont trop puissants. Il doit y avoir une partie de vous qui comprend que c'est une erreur. Résistez! Vous avez peut-être raison. Il reste peut-être une chance de... Les implants! Sovereign est trop fort! Je suis désolé. C'est trop tard pour moi. Ce n'est pas fini. Vous pouvez encore vous racheter. Adieu, Shepard. Merci. Ah, t'es comme ça, toi. Ah, t'es comme ça. Ok. Ben donc au final j'avais raison par rapport à ce que je disais dans une autre vidéo. Par rapport ben, justement au contrôle de Sovereign sur sa reine. Le fichier de données de Vigil a fonctionné. Je contrôle tous les systèmes. Vite, déployez les bras. La flotte peut-être abattre Sovereign avant qu'il reprenne le contrôle de la station. Essayez d'ouvrir un canal de transmission. Oh. Destiny Ascension. Propulseurs principaux désactivés. Barrière cinétique à 40%. Le conseil est à bord. Je répète, le conseil est à bord. Normandie à Citadelle. Allez, dites-moi que c'est vous, commandant. Eh ouais. Je suis là, Joker. On a reçu l'appel de détresse, commandant. Je suis dans le secteur Andorra, avec toute la flotte d'Arcturus. On va pouvoir sauver l'ascension. Déverrouiller les relais autour de la citadelle, et on arrive à la rescousse. Vous êtes sûr de ce que vous faites, Shepard? Il pourrait y avoir beaucoup de pertes humaines si vous envoyez la flotte maintenant. Cela dépasse l'humanité. Sovereign constitue une menace pour toute espèce organique de la galaxie. C'est vrai. C'est pour cela qu'il ne faut pas gaspiller les renforts en essayant de sauver le Conseil. Vous devez les garder en retrait jusqu'à ce que la citadelle déploie ses bras. C'est à ce moment-là que la flotte humaine pourra attaquer Sovereign. À vous de décider, commandant. On sauve l'ascension maintenant, ou on attend?
Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Parce que je sens que si je le sauve pas, ça va me retomber sur la gueule à un moment ou à un autre. Mais en même temps, si je le sauve, bon, il m'a un peu pris pour de la merde depuis le début, donc... Allez. J'ouvre les relais, Joker. Il faut sauver l'ascension à tout prix. J'espère que le conseil appréciera. À tous les vaisseaux, sauvez le Destiny Ascension. Ascension, on dit. Commandant, les renforts arrivent. C'est l'Alliance. La déesse soit louée. Allez, Joker, fais-nous rêver. Destiny Ascension, le danger est écarté. Je répète, le danger est écarté. La citadelle s'ouvre. À tous les vaisseaux, attaquez Sovereign. Vérifiez qu'il est mort. Ça sent l'arnaque. Ah, bon, là c'est sûr que ça sent moins l'arnaque d'un coup. C'est fini. Ça sent quand même l'arnaque. Je suis souveraine. Cette station m'appartient. Ouais non, on va pas y aller au sniper. Hein. Seul espoir. Il faut absolument le détruire, coûte que coûte. Ah. Oui.
le moment ou jamais. Allez-y, balancez toute la sauce. Portez-vous sur mon aile. On y va. Ça, c'est fait. Non mais... Courez ! Wow, wow, wow. Anderson, par ici, les voilà. Du calme, tout est fini. Vous êtes en sécurité. Où est le commandant? Où est Shepard? What? Yeah. Oh yeah. Ambassadeur, capitaine, commandant Shepard, nous sommes réunis ici pour reconnaître officiellement la contribution des forces de l'Alliance dans la guerre contre Sovereign et les Guettes. Eh ben c'est pas de trop tôt. De nombreux humains ont perdu la vie dans la bataille de la Citadelle. De braves soldats qui n'ont pas hésité à se sacrifier pour que nous, membres du Conseil, puissions vivre. Il n'existe pas de plus grand sacrifice, et nous partageons tous la peine qui vous accable. Le Conseil a également une dette personnelle considérable envers vous, commandant. Une dette dont il ne pourra jamais s'acquitter. Vous n'avez pas seulement sauvé nos vies, vous avez aussi sauvé des billions de vies menacées par Sovereign et les Moissonneurs. Commandant Shepard, vos actes héroïques et désintéressés sont le symbole de tout ce que représente l'humanité et l'Alliance. Et s'il n'est pas en notre pouvoir de ramener parmi nous les vaillants soldats qui ont donné leur vie pour sauver les nôtres, il est de notre devoir d'honorer leur mémoire par des actes. L'humanité a démontré qu'elle était à même de défendre la galaxie. Par vos actions, vous avez prouvé que vous méritiez de rejoindre nos rangs et de siéger à nos côtés au Conseil de la Citadelle. Conseillère, au nom de l'humanité et de l'Alliance, nous vous remercions de l'insigne honneur que vous nous faites et acceptons humblement votre proposition. Nous aurons besoin d'une liste des candidats potentiels au siège concilien de l'humanité. Au vu des récents événements, je ne doute pas que votre recommandation pèse lourd dans la balance, commandant. Avez-vous un candidat à proposer? Ouais, tous sauf Oudina. Il nous faut un représentant qui ait le courage de ses convictions. Quelqu'un comme le capitaine Anderson. Lui, vous plaisantez. Anderson ne connaît pas d'autre langage que la force. Un langage qui vous va bien, ambassadeur. En êtes-vous bien sûr, commandant? Le capitaine est un soldat, pas un politicien. Il n'y a que trop de politiciens à la Citadelle. Le capitaine conviendra parfaitement à ce poste. C'est un choix judicieux. Si le capitaine accepte cette charge, le Conseil l'accueillera comme il se doit.
C'est un honneur, conseillère. En tant que représentant de l'humanité, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour œuvrer à la reconstruction. La défaite de Sovereign marque le début d'une nouvelle ère pour l'humanité et le Conseil. Et c'est très loin d'être fini. Sovereign n'était que l'avant-garde de l'invasion. La flotte des moissonneurs arrive. Des centaines de vaisseaux, peut-être des milliers. Et je trouverai un moyen de les arrêter. Oh, petit bug. Shepard a raison. L'humanité est prête à remplir son rôle. Si nous travaillons main dans la main avec les autres races conciliennes, nous aurons la force de relever tous les défis. Quand les moissonneurs viendront, nous devrons être prêts. Il nous faudra faire bloc contre l'envahisseur, et ensemble, nous le renverrons au néant. J'adore ce mec. Eh bien voilà, j'ai envie de dire que ça c'est fait. La première aventure de ma chaîne se termine ici. Donc bien sûr, comme vous vous en doutez, elle se poursuivra sur Mass Effect 2. Et elle se poursuivra ensuite sur Mass Effect 3. Je sais pas si je vais faire le 2 de suite. Peut-être que je vais faire un autre jeu là, qui m'intéresse en ce moment. Et histoire de changer un petit peu aussi. Mais enfin, c'est pas sûr, peut-être que je ferai les deux en même temps. Je sais pas, c'est à voir. Et bien en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi les vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.